Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Pokémon Rouge, Jaune, Vert ou Bleu pour voir une compilation de mes trois vidéos où trouver Sulfura, Articodin et Elector, les trois oiseaux légendaires de cette version. Trouver Articodin. Et d'ailleurs, j'ai que 4 Hyper Balls. C'est peut-être un peu abusé, je vais en prendre un petit peu plus. Voilà. J'en ai 10. De toute façon, je ferai le save-tête. Et pour ça, on va partir de la ville de Cramoisil, qui est juste ici. Et là, il y a la 7ème arène. On ne l'aura pas avant ce moment-là. Du coup, évidemment, à ce stade du jeu, vous avez la CS Surf. Et du coup, on va tout simplement faire Surf. Et du coup, je vais utiliser mon Max Repousse, parce que j'ai la flemme de me faire attaquer toutes les 10 secondes pendant la vidéo. On va tout à droite, vous longez le truc, là. Et on rentre dans la grotte de Parmani. Donc là, il n'y a pas le choix. Voilà. Et normalement, vous avez fait tomber des rochers ici pour bloquer les rivières et accéder à la ville d'après. Et en fait, on peut continuer. Donc avec Tortank, qu'on va faire surf et on va aller à gauche. À partir de là, on va aller à gauche. Et là, il y a une échelle ici et une échelle ici. On va les ignorer. On va aller en bas et on va pousser les rochers. Il faut les faire tomber dans le trou. Du coup, il nous faut la CS Force. J'ai oublié, excusez-moi. Donc là, on fait tac, tac, tac. Max repousse. On fait attention parce qu'il ne faut pas se retrouver bloqué. Tac. Et tac. Tac. Et je crois que ça suffit. On se laisse tomber. Et là, on a bloqué les courants, je crois. Parfait, et Articodin est ici. Non, j'ai fait vite. Du coup, évidemment, on va sauvegarder. Je fais une save state. Et on va attaquer Articodin. Alors, je vais mettre un Voltali. On va faire cage éclair. Parce que les Pokémon légendaires, ils se laissent pas capturer comme ça. Il faut d'abord le paralyser. Un Articodin sauvage apparaît niveau 50. Donc, cage éclair. Il est paralysé. Je fais une save tête. Tonnerre. Tonnerre. Laser glace. Il m'a quasiment one shot. Je fais une save tête. Je vais faire un petit vive attaque. On va mettre Rafflesia. Je vais faire save tête et je vais faire un petit coupe. Parfait. Et donc là, je fais save state et je lance mes Hyper Balls. Je manque le Pokémon. J'ai fait une save state. Si il veut pas rentrer dans la Pokéball, je suis. Alors, là, je garde ma colère intérieurement. Dans ces cas-là, vous avez vu, j'ai sauvegardé manuellement dans le jeu. Il se peut que le jeu soit très capricieux et que même paralysé avec un point de vie, le Pokémon ne veuille pas rentrer. Du coup, dans ce cas-là, je quitte. Je reset le jeu. Game Boy Color. Hop. Et je relance, tout simplement. Continuer. Voilà, on revient là. Des fois, le jeu est capricieux. Il faut relancer. Il faut vraiment mettre à un point de vie avec et le paralyser ou l'endormir. Sinon, le jeu, bah, il veut pas. Hein. Donc là, je fais Parasport. Il me one shot. Voltali. Cage éclair. Tonnerre. Ronflex. Coup de boule. Hyper Ball. Non mais sérieux. Ah! Il voulait pas et maintenant il veut bien. Voilà. Oh, une boule. Bon. Voilà, j'ai eu de la chance dans ma malchance. Le légendaire oiseau des glaces. On dit qu'il apparaît aux gens perdus dans les sommets. Voulez-vous donner un nom à Articodin? Et là, je sauvegarde. Et je fais une save state.
Parfait. Et maintenant, j'ai plus qu'à utiliser mon trio piqueur. Alors, je vais peut-être explorer vite fait, voir s'il n'y a pas un truc à côté. Non. Ok. Trio piqueur, tunnel. Et je vais aller chercher mon Articodin. Et je vais l'intégrer à mon équipe. Je sais pas comment. En ça, je pourrais virer mon Roucarnage. Hein. C'est mon Pokémon de plus haut niveau. J'ai pas envie de le virer. Mais bref, je verrai ça après. Sulfura, le Pokémon oiseau légendaire. Et pour ça, on va partir de la Ligue Pokémon. Donc tout en haut. Est-ce que je peux faire vol? C'est bon. Au plateau Indigo, tout en haut à gauche, il faut donc avoir les 8 badges et toutes les CS et avoir quasiment fini le jeu. Et du coup, à partir de là, équipé de la CS Force, c'est très important, on va descendre vers la route victoire. Et pour ne pas se faire emmerder, on va utiliser Max Repousse. Hop, suivez bien mon personnage. On va descendre. Je suis bloqué. On va passer par là. Hop. Si on remonte par là, on arrive où? On arrive par là. Parfait. Donc, n'hésitez pas à faire pause hein, si je vais trop vite, d'accord. Et là, on prend l'échelle. Là, il y a un dresseur. Je vais me le farcir, si vous permettez. Je vais mettre le piqueur en premier. Ça va être très rapide. Reptincelle, on va faire séisme. Low class. Il va me tuer. On mettra Flesia. Il me déglingue, hein. On va laisser ça comme ça. Et voilà. Et du coup, derrière ce dresseur, on va ramasser ça. Il y a une défense spéciale. Et ici, il y a Sulfura, l'oiseau légendaire. Donc là, je vous conseille de sauvegarder et de faire une save state parce que le jeu est capricieux dans Pokémon Rouge. Des fois, on peut rater les balls. Un Sulfura sauvage apparaît niveau 50. Bah, et mon Voltali? Bon, bah, on va mettre Voltali. Alors, écoutez, hop, on fait ça. Voltali, voilà. Parce que mon Voltali peut le paralyser. Hop, re-save state. Tonnerre. Parfait. Il est résistant, hein. Là, je fais cage éclair. Là, je vais essayer de me permettre un double pied. Oui, ça va. Double pied. Voilà. Je pense même que je peux peut-être en faire encore un. C'est scandaleux. Mon double pied, je tape du 1 pixel et au moment où je veux le taper, forcément, ça fait du. Ça lui retire un quart de sa vie. Tout va bien pour le meilleur des mondes. Double pied. Ah, on m'appelle. Je décrocherai à pied. Après. Voilà. Et donc là, si vous permettez, je vais faire une save state et je vais lancer des Hyper Balls. Voilà, là je le manque. Je le manque. Le jeu fait chier, hein. Pourtant je l'ai paralysé là, un point de vie. Mais si je réponds pas, c'est que je suis occupé. Voilà, c'est bon, je l'ai capturé. Sulfura est capturé. Voilà, donc le jeu peut être capricieux. Élector, et pour ça, il faut avoir la CS Surf. Et de toute façon, Élector est tellement puissant que je vous recommande de ne pas y aller avant d'avoir votre 7e badge. Voilà. Donc à ce stade-là du jeu, vous aurez la CS Surf et tout ce qu'il faut.
Au cas où, je mettrai en commentaire et en description de ma vidéo le lien à ma vidéo où trouver la CS Surf si vous voulez vous lancer sur Elector tout de suite et rouler sur le jeu tel un lâche. Je crache dessus. Et du coup, on va se rendre à Azuria, je crois. Ouais. C'est là où il y a la deuxième arène. On va aller... Ah, putain. Il me faut la CS coupe. Donc évidemment, vu que j'ai Articuno dans mon équipe, j'ai viré mon Rafflesia. Donc je vais virer... Rocarnage. Et je vais retirer... Rafflesia. Parce que souvenez-vous, pour sortir de la deuxième arène, il faut la CS coupe. Ici, Rafflesia utilise Scoop. Hop, on suit le chemin tout doucement. Et là, il y a de l'eau. Et là où il y a de l'eau, on va utiliser Surf. On descend. Et on va là. Alors, je sais pas s'il m'attaque. Et on va ici. Et en fait, ici, c'est une centrale électrique. Et qu'est-ce qu'il y a dans les centrales électriques? Des câbles électriques. Donc là, il va y avoir beaucoup de Pokémon sauvages. On va se faire agresser tous les 2 mètres. Ça fait un peu d'XP, au pire. Hop. Alors, je ramasse pas les objets. Ça sera pour d'autres vidéos. Hop. Safe state. Carbone, ok, c'est bon. Ah, je suis désolé si ça va être long parce que je vais me faire agresser tous les 2 mètres. A partir de là, on va aller à droite. Non, en bas. À droite. Tout à droite. On remonte là. Ok. Là, on descend. On va à gauche. Et ici, il y a notre chat Elector. On va l'attaquer. Alors évidemment, on sauvegarde. On fait une safe state. On va mettre Voltania en premier pour le paralyser. Yaouh! Un Elector sauvage apparaît. Cage éclair. Il est paralysé. Putain la vache. Apparemment c'était pas efficace. Attends quoi? C'est très efficace, mais il est pas de type électrique Elector? Ok. Là, il me tue. Je mets Articodeing. Objet. Hyperball. Vous savez, il y a le bon et il y a le mauvais dresseur. Le mauvais dresseur, il jette une Pokéball et le Pokémon, il sort. Et puis, il y a moi. Il y a des bons dresseurs. En fait, il jette une ball et le Pokémon a tellement peur qu'il rentre direct, en fait. Il a trop peur, le Pokémon. L'oiseau légendaire de la foudre. Il surgit hors des nuages en lançant d'énormes éclairs. Et du coup, il va dans le PC de Léo. Si Elector ne veut pas rentrer dans la boule, n'hésitez pas à revenir en arrière. Vous reset le jeu. Vous faites des safe states, vous recommencez, etc. Parfois, le jeu est capricieux. Évidemment, je sauvegarde. Voilà. Et bah écoutez, si... Pardon. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne à travers du Tipeee, ça aiderait beaucoup à son développement, et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao !